Aloro kunomi demgal, flakai kodemgal. Aloro kunomi gandal, flar mofti gandal. Voilà, quelle est ton impression du stage? Merci. Merci. Le stage se déroule bien et je pense que c'est très important d'avoir tous les représentants des pays francophones à un tel stage, ce qui est souvent très difficile de telles rencontres. Donc je pense que c'est une très belle initiative qui doit être encouragée. Et j'espère qu'au retour, les stagiaires vont continuer à collaborer et à échanger leur savoir-faire afin de faire face aux défis de l'EMAP dans leur pays respectif. Qu'est-ce que tu aurais comme suggestion principale pour le futur d'un projet comme le PANAFGEO? Mes suggestions seraient que c'est vrai que cette fois-ci, à majorité, la majorité sont des représentants des services géologiques et des ministères. Donc, pour la suite, il serait bien d'engager d'autres parties prenantes. Et cela peut inclure les académiciens, mais les représentants aussi d'ONG, que ce soit national ou international. Et aussi des groupes qui travaillent sur le terrain, donc les associations qui apportent leur support aux orpailleurs, mais aussi aux diamantaires, ceux qui travaillent dans les MAP. Et une particulière attention que j'aimerais que un futur projet prenne en compte, c'est l'importance de l'engagement des jeunes. Donc, l'engagement des jeunes, voir comment est-ce qu'un tel stage pourrait faire participer des jeunes, parce que quand même l'Afrique, principalement francophone, a une majorité de la population est très jeune. Donc, si on n'inclut pas ces jeunes dans nos différentes activités, ça serait difficile de parler de développement responsable ou durable dans l'extraction minière, surtout que la majorité de ceux qui sont engagés sont aussi jeunes. Ils sont impactés par les méthodes rudimentaires qui sont très utilisées. Donc, je dirais vraiment, c'est d'engager plus de jeunes, d'engager d'autres parties prenantes et aussi de voir comment engager les femmes qui sont dans l'activité elles-mêmes aussi. Donc, c'est vraiment, je dirais qu'une prochaine étape doit voir comment engager d'autres parties prenantes au-delà des représentants des ministères des mines et géologie. Merci beaucoup. Merci. Merci.